Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous reviens pour une nouvelle vidéo vlog. Je vous amène avec moi, nous allons découvrir ensemble la magnifique ville thermale Bath. Elle se situe au sud-ouest de l'Angleterre. Elle est réputée pour ses sources chaudes et ses maisons typiques de l'époque georgienne. Bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir en images. Allez, c'est parti. On arrive enfin à Bath après quelques heures de route. Là, c'est moi en train de faire la forêt, je sais pas ce que je voulais faire. Anyway, alors la première étape, ça va être d'aller à l'hôtel, déposer les valises et ensuite aller pour le déjeuner avant de commencer la visite. C'est au Café Rouge qu'on va prendre le déjeuner pour recharger les batteries. Et c'est un resto français, la déco elle est magnifique, moi ça me fait penser au bistrot parisien. Alors qu'on est en Angleterre, tout de suite on est transporté, j'aime beaucoup l'ambiance et j'ai choisi un poulet breton pour faire un petit clin d'œil à ma région, la Bretagne. Le poulet il était juste magnifique, il est trop bon. Commencer la première visite par l'abbaye Saint-Pierre de Bath, qui est une très belle église. L'entrée elle est gratuite, mais vous pouvez faire une donation selon vous, soit 5 livres ou alors plus, c'est selon vous. Dîner, je voulais quelque chose de typiquement anglais, donc on est allé au The Ivy, qui est un bon resto qui propose la cuisine britannique, sauf que j'ai oublié que les anglais niveau gastronomie c'est pas ça, donc je suis partie sur quelque chose de classique que je connais. Et aussi à Bath c'est mieux de réserver en avance, comme ça on gagne en temps pour ne pas tourner en rond à chercher où manger. Ok guys, après le resto, le dîner était super, la nourriture était très bonne. Là on va aller dans un bar dansant, quelque chose comme ça. Mais il y a une queue énorme et moi vu que je suis en talon, j'ai les pieds qui me font mal. J'ai préféré m'asseoir là sur un truc, je sais pas c'est quoi, pour soulager mes pieds. Je sais pas à quelle heure on va entrer. Heureusement qu'il fait pas trop froid et j'espère que l'ambiance sera bien à l'intérieur. Allez. Hello guys. Oh là là, hier soir c'était super, l'ambiance était top, je suis rentrée fatiguée et un peu malade aussi. Bon là c'est le dernier jour à Bath. Là, on va manger quelque chose, prendre le petit déjeuner. Enfin, ça va être plutôt le déjeuner parce qu'il est midi. Donc, je vous amène avec moi. Pour mes visites, j'ai opté pour quelque chose de très simple et rapide, un sandwich aux saucisses et au bacon.
savais que je voulais faire absolument le Fashion Museum. C'est un musée de mode qui retrace l'évolution de la mode de 1600 à nos jours. L'entrée est de 10 pounds. Visite, on a la possibilité de faire des essayages, porter des vêtements de l'époque et je me suis prêtée au jeu, j'ai essayé quelques robes et j'ai trouvé l'idée très originale et une chose à dire, mais je sais pas comment les femmes elles faisaient parce que cette robe, qu'est-ce qu'elle est lourde. Cornish pasty. Je suis en train de manger un Cornish pasty. C'est vraiment typiquement anglais. Et c'est trop bon. Dedans, il y a des carottes, des patates, je pense. Mais c'est vraiment bon. Ça sent trop bon. Après la petite pause, place maintenant à la dernière activité de la journée, la visite du Roman Bath. C'est un bâtiment où les Romains prenaient leur bain. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder en image. Et bien sûr, faut réserver son ticket en ligne pour éviter une longue file d'attente. Et il faut aussi arriver un petit peu plus tôt. Chose que je voulais faire pendant cette visite, c'était de boire l'eau provenant de Bath. Et cette eau, franchement, j'étais déçue. Elle est chaude, elle a un goût de fer, d'aluminium, pas du tout bon. Enfin, pour moi, j'ai pas du tout aimé. Mon petit week-end à Bath touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir cette belle petite campagne anglaise. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog prochainement. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Bye, guys.